少次地靠我，乡愁是一碗水，乡愁是一C'est une cérémonie commémorative rurale sacrée et solennelle. Les villageois de Tranyasse sont en train de rendre hommage, à la manière unique des Trudzia, à un vieil homme qui vient de quitter ce monde. Le défunt s'appelle Chen Zhaonan. Sa famille habite de génération en génération au village de Tranyasse. Le vieil homme a consacré toute sa vie à la protection du patrimoine culturel précieux de son pays natal. Son histoire est connue de tous dans le district. Les gens le respectent parce qu'il tenait parole. Les gens le commémorent parce qu'il a assuré la transmission de la tradition ancestrale. Situé dans le district de Xianfeng, préfecture de Hunche, dans la province du Hubei, le village de Tranyasse compte quelques 1000 habitants. Les ruines de la célèbre cité de Trousseux de Tranya, Trousseux chef de tribu, sont bien ici. La dite citadelle a une histoire de plus de 660 ans aujourd'hui. Sous la dynastie Ming, l'ancêtre de Chen Zhaonan épousa la fille du Trousseux, roi local, et déménagea de Yichang pour s'installer ici. Dès lors, la famille vit au village de Tranyasse de génération en génération. Pour Chen Zhaonan, il était intérieurement très heureux de pouvoir veiller sur ces lieux où ses ancêtres vécurent. Il a non seulement assuré de ses mains la propreté du site, mais aussi assumé le travail de guide pour la visite du monument. Pour Chen Zhaonan, dont la famille vivait de génération en génération dans la cité du Trousseux, le fait de pouvoir veiller à juste titre et de bon droit sur le vestige laissé par les ancêtres est un travail décent. Il a donc accepté l'offre sans hésiter. Dès lors, il a signé un contrat avec le département local de la gestion patrimoniale
et ce document est devenu un engagement qu'il a honoré toute sa vie. Pendant environ 30 ans, malgré la médiocrité des revenus, Chen Zhaonan a persisté dans son travail sans se plaindre. Même quand il a rencontré des difficultés dans la vie quotidienne, il n'a toujours pas déserté le poste. La petite fille du vieil homme se souvient aujourd'hui encore des propos que son pépé lui avait tenus à l'époque. Chen Zhaonan s'est résigné à rester pour veiller sans se plaindre sur ces ruines laissées par les ancêtres dans le pays natal. Il a non seulement témoigné du passage des ruines de la cité de Trousseau de Trangia, de la protection de classe du district à celle de la province, puis à celle de l'État, mais aussi du processus d'inscription de la cité sur la liste préparatoire du patrimoine culturel mondial de la Chine. Le foyer sur lequel sa famille veille de génération en génération est d'une grande valeur culturelle. Il doit être connu de tous. Cette signification est à ses yeux incalculable sur le plan pécuniaire. Le 26 avril 2014, le matin, après avoir contrôlé deux sites culturels, il est rentré chez lui et est décédé d'une apoplexie. Han Bo-Tuen, un expert originaire de Trangia, mène des études sur les us et coutumes folkloriques du pays natal depuis de nombreuses années. Il a de nombreux amis dans ce village. En 2007, deux ans après le décès accidentel du deuxième fils de Chen Zhaonan, sa bru, par l'intermédiaire d'une entremetteuse, a épousé en seconde noces Tsin Chunyo, professeur retraité du lycée de Canton, pour former un nouveau foyer. Après son remariage, Zhang Guilin ne s'est pas installée chez les Tsin, mais elle est revenue avec son mari chez les Chen. Ces personnes, sans lien du sang de plusieurs générations, ont ainsi formé une grande famille harmonieuse. Chen Zhaonan a alors pris ce nouveau gendre pour le sien. Il était convaincu que ce successeur veillerait comme lui sur la cité du Trousseau, de tout son cœur. Chen
La cité du Trousseau de Yangya est immense et imposante. Dotée de 3 rues, 18 ruelles et 36 cours, elle fut construite en tirant profit des avantages topographiques du lieu. Elle fut une véritable forteresse, réputée comme cité d'importance stratégique des Xin du Sud. On raconte dans la région une histoire transmise depuis l'Antiquité, dont les habitants sont encore très fiers. En 1621, de nombreux Tousseux locaux, à Yongning dans le Sichuan et à Shuexi dans le Guizhou, se rebellèrent. Cette rébellion, appelée rébellion de Shehan, prit au dépourvu les autorités des différentes provinces à l'époque par l'ampleur des zones touchées et par sa durée, mettant la cour impériale Ming devant une situation d'être attaquée par devant et par derrière. À l'époque, le trousseau de Tranya, Xin Ding, promit à la cour des Ming qu'il maintiendrait non seulement la tranquillité dans son fief, ne se ralliant pas à la rébellion, mais au contraire, il accepterait, sur l'édit impérial, d'envoyer une expédition pour prendre part à la guerre contre les rebelles, laissant ainsi une marque très profonde dans l'histoire. Selon le livre généalogique des Xin, étant donné l'engagement de Xin Ding et ses exploits militaires hors du commun, l'empereur des Ming, Xizong, nom originel Zhu Yongjia, décréta 4 édits impériaux de suite. Ce portique, intitulé Cité d'importance stratégique des Xin du Sud, érigé au centre du village de Tranyase, fut non seulement le signe des exploits militaires des Trousseux de l'époque, mais aussi celui de la plus grande promesse qu'il eut tenue vis-à-vis de l'autorité centrale de l'Empire. Xin Ding fut la fierté des villageois de Tranyase. Mais sa femme, née de la famille Tien, fut aussi un personnage légendaire que les villageois aiment évoquer. On dit que quand Xin Ding fut sur le point de partir en expédition, la dame Tien promit à son mari au bord de la rivière Tranya : « Concentre-toi sur les batailles sous d'autres cieux. Je me charge de la gouvernance du royaume pour toi. » Chose promise, chose due. Elle réussit non seulement à défendre la cité, mais sous sa direction, la cité se développa et elle prospéra pour atteindre un niveau sans précédent. Deux statues équestres installées au bord de la rivière Tranya témoignent non seulement de cette histoire légendaire, mais fut aussi la preuve de l'amour de la dame Tien pour son mari, tous deux attachés à la crédibilité. Les hommes et les chevaux de pierre témoignent non seulement des exploits militaires de Trousseux Xin Ding dans le maintien de la tranquillité, mais devinrent aussi chefs-d'œuvre artistiques de la cité de Tranya à son apogée. À l'époque, le mari combattit pour le salut du pays. La femme gouverna le fief pour le mari. Mari et femme, tenant leur parole, touchèrent les générations postérieures. Cette attitude d'éprouver le patriotisme au prix du bonheur familial exerce aujourd'hui encore une influence profonde sur le village antique et est gravée dans le cœur des 370 000 descendants de l'ethnie Trudia et Miao dans le bassin de la rivière Tranya. Xin Guoyong fut sélectionné en 1901 pour être envoyé à l'étranger comme boursier. A l'instar de nombreux étudiants étrangers chinois de l'époque, Xin jura de revenir servir le pays quand il aurait fini ses études. Revenu au pays, il fut nommé conseiller au département de l'armée de terre. Quand la première école de l'aéronautique fut fondée en Chine en 1913, il fut nommé premier président de cette institution. Après l'incident du 18 septembre 1931, l'armée japonaise mit sur pied le pouvoir fantoche installé en Mandchourie
et dépêcha plusieurs émissaires pour tenter de persuader Tsin d'accepter une position de haut niveau dans l'aviation mandchoue. Ce qu'il refusa en disant « En tant que descendant de la nation chinoise, je m'oppose fermement à ce type d'agissement de trahison. » Le patriotisme et le serment de Tsin Guoyong exercèrent une profonde influence sur son fils Tsin Jiajou. A l'instar de son père, diplômé de l'école d'aéronautique de Nanjing, puis professeur de cette école, Tsin Jiajou rejoignit résolument le front face aux agresseurs japonais. Après l'incident du pont Lugo en 1937, lors de la fameuse bataille de Shanghai, Tsin Jiajou, chef de peloton de la 23e escadrille du 4e escadron des forces aériennes chinoises, reçut l'ordre d'affronter des avions ennemis à la tête de deux ailiers. Ils abattirent quatre avions ennemis, devenant ainsi une légende dans la bataille aérienne contre les forces japonaises. Le 18 août 37, le 4e escadron reçut une fois de plus l'ordre de bombarder une flotte des forces navales japonaises. Durant cette bataille, Tsin Jiajou se sacrifia héroïquement à l'âge de 26 ans. Père et fils s'en tinrent au serment de servir leur patrie. Cet amour grandiose de défendre la patrie en refoulant les envahisseurs étrangers fait que la moralité vertueuse de chose promise, chose due retentit encore aujourd'hui dans le ciel des ruines en cette terre et pour toujours. Qin Ding et le Tian Zi, ils ont utilisé leur chair, leur force de couple pour protéger leur famille, pour protéger leur culture. En outre, il y a un couple, c'est les frères. La tradition des ancêtres de Tranya d'être très attachés à la crédibilité en parole et dans les actions est transmise de génération en génération parmi les descendants d'ethnie Trudzia. Et aussi gravé sur une pierre aux ruines de la cité de Trousseux de Tranya, qui est toujours dressée au bord de la paisible rivière Tranya. Exposée aux aléas du temps pendant des trentaines d'années, l'enceinte de la cité de Trousseux commença et montrait de signes de dégradation. En 1979, les autorités locales ont décidé d'entreprendre des travaux de restauration et de consolidation des ruines. Xie Xianhua a été sélectionné comme artisan en chef. Ayant le sens des responsabilités, Xie connaît comme sa poche toutes les sculptures sur pierre dans la cité antique du Trousseux en ruine. Il a perdu sa mère quand il avait 10 ans. Sa famille était très pauvre. Après ses études au lycée, il s'est fait disciple d'un tailleur de pierre du village de Tranyase pour apprendre le métier. Avec en tête l'idée simple de changer sa vie grâce à un métier, Xie Xianhua a commencé sa vie d'apprenti de tailleur de pierre. Contre ses attentes, ce métier est en fait extrêmement dur. Xie Xianhua ne peut pas oublier la promesse qu'il a faite à son maître à l'époque, à genoux devant lui. À partir de là, il s'est entraîné dur au métier. De la taille de l'auge à cochon à celle de la pierre tombale,
Il a appris petit à petit à tailler tables, chaises, lions en pierre. Comme il était consciencieux, il devenait de plus en plus ingénieux. Celui qui ne craint pas le labeur finit par être couvert de bonheur. Les efforts inlassables déployés pendant plus de 30 ans ont porté leurs fruits. Cécien Roy est devenu tailleur de pierre connu de tous. Non seulement il peut mener une vie de plus en plus aisée, mais il a aussi tenu sa promesse faite à son maître. Il est aujourd'hui héritier de l'art sculptural sur pierre du Roubaix. Depuis un millier d'années, les villageois de Tranyasse prospèrent en cette terre. En vertu des stipulations de la Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la cité du Trousseau de Tranya, en tant que site candidat à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mondial, tout vestige et ruine à l'intérieur de la citadelle doivent être maintenus tels quels. Aucun travaux de reconstruction ou de rénovation ne doit être mené afin d'éviter d'éventuelles dégradations. Pour réussir à faire inscrire la cité sur la liste du patrimoine culturel mondial et garder ainsi la citadelle dans son état originel, les villageois ont décidé de ne plus restaurer leur maison. Tenir parole comme un clou courbé dans un angle. Cette expression est très courante chez les villageois. Un clou courbé dans un angle vient du fait que quand le menuisier réalise la jonction entre deux morceaux de bois à l'aide d'un long clou, il l'enfonce profondément pour que la pointe se dévoile de l'autre côté et la courbe pour que le raccordement soit solide. Les gens utilisent cette expression pour faire l'éloge de ceux qui tiennent parole. La première chose que Tsinguan fait quand il se lève le matin tous les jours, c'est d'aller veiller sur le tombeau ancestral de la famille. En tant que descendant à la 23e génération du trousseau de Tranya, Tsinguan, dès sa plus tendre enfance, est souvent venu avec son grand-père et son père pour nettoyer la tombe ancestrale. Située sur une haute terrasse à l'angle nord-est du village de Tranyasse, la tombe de Tsin Joyong, trousseau de deuxième génération, est le plus grand et le plus beau sépulcre dans toute la cité de Tranya. En 1735, le trousseau de Tranya demanda à l'empereur d'autoriser l'opération migration aux terres centrales de l'Empire. À l'époque, la majorité des membres du clan migrèrent à Hanyang, à un millier de kilomètres de là. Seule une branche resta ici pour veiller sur la tombe ancestrale. Pour se coordonner avec la demande d'inscription sur la liste du patrimoine culturel mondial, les villageois ont tous dû déménager de la zone des ruines et s'installer tous dans de nouveaux appartements. Mais Tsinguan n'avait pas l'esprit tranquille. Il n'avait pas le cœur de quitter ce lieu où sa famille avait vécu de génération en génération. Avec cette promesse de la part des chefs, Tsinguan se sentait beaucoup plus rassuré. Avant de déménager, il est revenu avec son fils devant le mausolée. Pour Tsinguan, les descendants de la famille doivent veiller de génération en génération sur ce lieu où ses ancêtres reposent.
让我们年纪也大的，精神地过来看一看，进行祭拜这些啊。不怕，你放心噻，我以后会天天来看的，会跟着你们的脚步一直做着收下去的那个东西。Le 4 juillet 2015, une bonne nouvelle est parvenue de Bonn, en Allemagne. Lors de la 39e conférence du patrimoine mondial, les ruines de la cité du Trousseau de Tranja, Roubaix, ont été incluses dans la liste du patrimoine culturel mondial. Des années 1990 jusqu'à cet instant, l'engagement des villageois de Tranjasse pendant des décennies a enfin abouti. Tout le village était plongé dans la joie. Des pavillons sur pilotis où vivaient les ancêtres de génération en génération aux immeubles en béton armé, du labeur dans les champs au travail en suivant l'horaire fixe de 9h du matin à 5h du soir, les villageois voient des bouleversements se produire dans leur vie quotidienne. La petite fille de Chen Zhaonan a enfin exaucé le vœu de son grand-père. Elle est devenue présentatrice du musée de la cité de Tranja. Xiexian Hua reste sous contrat, agent en charge de l'entretien de chacun des vestiges dans la cité du Trousseau de Tranja, en s'appuyant sur son savoir-faire impeccable. Tinguan est devenu un vigile de la cité. Il peut continuer à veiller sur la tombe ancestrale de sa famille. Aujourd'hui, où qu'ils soient, les villageois de Tranjasse restent toujours les habitants de cette terre. Ils racontent l'histoire de la tradition de leurs ancêtres, de choses promises, choses dues, qui se transmet de génération en génération et protège ce foyer éternel dans leur cœur. Je suis